spécial ce soir, c'est le cas de le dire, puisque tout à l'heure, aux alentours de 19h, Marc Roger, accompagné de son avocat et du nouvel investisseur du Servette, ont tenu une conférence de presse. Alors, le Servette aurait été sauvé. Marc Roger, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? L'information a été tout à l'heure donnée en direct sur l'Aimant Bleu. Vous êtes là en direct à 20h30 sur le plateau de l'Aimant Bleu. Expliquez-nous l'histoire de ce sauvetage, un sauvetage d'il y a quelques heures seulement, enfin 24-48 heures. Oui, tout à fait, mais j'ai rencontré M. Joseph Ferrailler qui est assis à côté de moi donc, la semaine dernière, et puis au terme de plusieurs rendez-vous, de plusieurs discussions, donc, nous avons finalisé effectivement donc, un accord donc, vendredi dernier, donc très tard. Très tard, un montant qui porte sur combien d'argent? On va faire la connaissance de M. Ferrailler tout à l'heure. Un montant de combien d'argent? On est venu vous annoncer, vous dire, voilà, l'argent est sur la table. Comment ça s'est passé? Ce montant qui a été négocié, on a expliqué un petit peu la situation de Servette, comment on voyait Servette dans l'avenir. Donc c'est un montant total donc, de 147 millions de francs suisses, donc avec une donation de 15 millions de francs suisses, donc effectivement pour la Fondation, afin que le stade reste patrimoine, je dirais, de la Fondation et donc des Genevois, et qu'il ne soit pas vendu donc, aux enchères comme cela est prévu donc depuis quelques jours, et qu'aussi ce stade puisse être terminé au niveau des travaux. Donc il y a un montant de 12 millions de francs donc, qui est hypothéqué, donc il y a 3 millions de francs qui seront rajoutés donc, pour terminer les travaux du stade. Alors on va suivre dans quelques instants les images que nous devrions avoir donc, de cette conférence de presse tenue tout à l'heure à 19h. On va les voir d'ailleurs tout de suite, et on va faire connaissance avec M. Ferrailler qui est à vos côtés et qui serait l'investisseur miracle, celui qui possède l'argent pour sauver les Servettes. Alors on va le voir tout de suite après ce reportage de Laurent Keller. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, le club est sauvé, la pérennité du club est assurée, et ce, pour les 5 ans à venir. Pour un montant total de 147 millions de francs suisses, j'ai bien dit 147 millions de francs suisses, à raison de 20 millions de francs suisses par saison, un montant de 10 millions de francs suisses dès demain, la construction d'un centre de formation pour 20 millions de francs suisses. Et puis vous voyez, comme on aime bien la Fondation et comme on ne veut pas que ce stade soit vendu à un privé, ce qui devrait arriver dans quelques semaines, M. Ferrailler, qui est la personne donc, qui est à côté de moi et que certains connaissent à Genève, donc c'est la personne avec qui nous avons passé donc, cet accord, M. Joseph Ferrailler. Donc il y a un montant qui sera remis donc, de 15 millions de francs suisses à la Fondation, afin que l'entreprise Choquet ne vende pas le stade et que le stade appartienne toujours aux Genevois. Quand je dis 15 millions de francs suisses, vous savez que la Fondation doit 12 millions de francs suisses à l'entreprise Choquet, donc il reste 3 millions de francs suisses pour terminer les travaux. Voilà, on a suivi cette conférence tout à l'heure de presse en direct, c'est pour ça qu'on n'a pas pu la relater directement dans notre journal tout à l'heure à 19h. Alors, on a fait la rencontre de Monsieur Ferrailler. Bonsoir, Monsieur Joseph Ferrailler. Alors, vous êtes un chercheur, vous avez inventé, oui, il y a de cela quelques années, avant même la guerre du Golfe, un système qui permettait d'éteindre ces puits. C'est suite à la guerre. Suite à la guerre du feu, à la guerre du Golfe, ces puits en feu qui ont d'ailleurs pollué grandement l'atmosphère. On les voyait par image satellite. Et vous avez inventé ce système qui permet l'extinction et le blocage de systèmes. Alors, je ne sais pas si tout le monde vous connaît. En tout cas, personnellement, je ne vous connaissais pas. Aucun problème. Ça ne pose pas de problème. Alors, vous êtes milliardaire, vous êtes le nouvel homme providentiel du Servette. Comment, d'où obtenez-vous votre fortune? D'où elle vient? Nous avons une offre. Tout s'est passé officiellement en 91. Nous avons une offre qui est partie au Koweït. On a demandé 30 millions de dollars sur chaque puits traité par mes systèmes. Ils ont accepté, le Koweït nous a délégué un général qui s'appelle Mohamed Al-Badr, et il y avait 1164 puits. Si vous multipliez 1164 par 30 millions, ça fait 34 milliards de dollars. Et vous les avez? Vous les avez? Vous avez cette somme d'argent, ou ne serait-ce qu'une partie de cette somme d'argent aujourd'hui? Parce que quand vous dites que, quand Marc Roger nous annonce ici, et Maître Fauconnet est également ici, que cet argent existe bel et bien, que les joueurs vont être payés, même les 4 mois d'arriéré de salaire, on a tout d'un coup du mal à croire à cet argent providentiel qui arrive. Oui, bien sûr, l'argent existe. Nous avons plusieurs déclarations du notaire Pierre Motu à la police cantonale de Genève et à M. Casper Ansermet, dans lesquelles il avoue que le Koweït a payé 34 milliards de dollars.
aux utilisateurs de mes systèmes que la moitié est retournée dans les familles dirigeantes du Koweït et que la deuxième moitié faisait l'objet de cette transaction, donc qui ont été signées chez lui à l'époque. Chez maître Pierre Motu. Pierre Motu, mais vous le possédez, cet argent, il existe, il est où cet argent? Il est chez Pierre Motu. Selon ces actes que j'ai eus récemment, depuis pas plus de mois, on a les copies conformes mais originales, avec les signatures originales de Pierre Motu. Nous avons appris que 5 milliards 941 millions et quelques dollars ont été versés à sa comptabilité le 15 et le 22 novembre 95. Versés à sa comptabilité. Et selon Maître Marty, on parle le français. C'est votre avocat, donc, hein, Maître Marty. Oui, mon avocat actuel, qui est très sincère, très honnête, il a dit qu'on parle du français, ce n'est pas du chinois. C'est bien le français versé à sa comptabilité. Alors, donc, on a trois actes pour 1 milliard de dollars chacun et un acte pour 2 milliards 941 millions. Donc, selon vous, l'argent, M. Ferrayer, existe bel et bien. Alors, nous avons essayé de joindre votre avocat. On ne désespère pas d'avoir ces nouvelles. Par contre, nous avons obtenu la possibilité de discuter juste sur une question avec Pierre Motu. C'est vrai que nous avons un certain nombre de documents ici sous les yeux. Je ne suis pas moi-même juriste, mais Maître Fauconnet peut-être nous les commentera. Oui, alors, nous avons justement Pierre Motu en ligne. Est-ce que vous êtes là, Maître Motu? Oui, je suis là. Présent. Alors, on nous dit, Maître Motu, que vous possédez une somme d'argent assez importante à mettre à disposition de M. Ferrayer. La seule question et l'unique question que je veux vous poser, est-ce que vous possédez cet argent? En tout cas, je vois qu'il y a un certain nombre de documents devant moi avec des sceaux. Je ne suis pas juriste, donc je prends un peu les choses en direct. Peut-être que d'autres me le confirmeront. Est-ce que vous possédez de l'argent? Vous possédez cet argent qui va pouvoir être versé au Servette. Est-ce que M. Ferrayer m'autorise à parler? Si vous dites la vérité, Maître Motu, il faut dire la vérité, la balle est dans votre camp maintenant. D'accord. Mais vous m'autorisez à parler? Bien sûr. Vous m'autorisez, donc... La vérité. Non, mais vous m'autorisez à parler. Non, écoutez, alors malheureusement, je n'ai pas le premier centime de ces montants. Alors, où ils sont? Vous pouvez nous dire où ils sont? Comment? C'est pas plus que vous, puis c'est une affaire qui est devant les tribunaux. Depuis 1994, je ne peux pas vous répondre, puisqu'elle m'échappe complètement, puisqu'il n'y a pas eu de suite dans les négociations. Il y a eu la suite, Maître. Tout s'est passé chez vous. Et nous avons les documents originaux. Peut-être, M. Ferrayer, excusez-moi, on verra. Nous avons eu besoin d'une confirmation de Maître Motu. Il y a un certain nombre de documents, des conventions. On verra bien. On espère que le Servette, franchement, sera sauvé grâce à votre aide, Maître Fauconnet. Motu, alors je ne sais pas si on a réussi à avoir l'avocat de M. Ferrayer en ligne. On n'arrive pas à le joindre, me dit-on en régie. Maître Fauconnet, quelle est la valeur de ces documents? Encore une fois, je ne suis pas juriste. Est-ce que c'est les documents que j'ai sous les yeux qui disent effectivement que Maître Motu, notaire sous-signé et nommé, se caisse de cette somme avec la mission de reverser cette somme? Alors, comment ça se passe juridiquement? Il s'agit, je dirais, d'une classique cession de droit qui a fait l'objet d'un paiement de prix, lequel prix est séquestré dans la comptabilité du notaire sous-signé, qui a pour mission, bien évidemment, de le débloquer. Donc, si vous voulez, à la lecture de ces documents, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il y a eu paiement d'un prix qui a été effectivement séquestré. Alors, j'ai posé la question, bien évidemment, parce que ces documents datent quand même de quelques années, à l'avocat de M. Ferrayer pour m'assurer, en fait, de la réalité et des documents et de l'existence des sommes. Et il m'a confirmé cet après-midi, pas plus tard que cet après-midi, qu'il y avait effectivement des sommes qui appartenaient à M. Ferrayer, qui étaient séquestrées et qu'aujourd'hui, rien ne s'opposait à la libération du séquestre. Bon, alors peut-être que l'avenir nous dira, en tout cas peut-être ce soir on était tous, je vous donne l'impression des journalistes qui étaient dans cette séance, les joueurs étaient évidemment satisfaits, beaucoup de supporters étaient là aussi dans cette conférence de presse, avaient l'air soulagés, vous ont même applaudi Marc Roger à un moment pour avoir trouvé cet homme providentiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Que cette somme va être débloquée et qu'on va aller de l'avant? Mais bien sûr, c'est ce qu'on souhaite, donc c'est pour ça que nous avons signé un accord donc vendredi dernier. Il faudrait juste dire quelque chose à Monsieur Motu. Monsieur Motu, je sais qu'il y a des sommes qui rendent fous les gens. Je sais que 5 milliards 900 et quelques millions de dollars, c'est énorme, Monsieur Motu, mais je crois qu'aujourd'hui, il est venu le grand temps de dire la vérité, donc de libérer ces sommes-là au profit de Monsieur Ferrayer, parce qu'elles lui appartiennent, ces sommes-là. Ça n'engage évidemment que vous, Marc Roger. Est-ce que Monsieur Motu veut répondre, peut-être? Non,
je crois qu'on va laisser la justice suivre son cours et que la solution viendra directement de la justice pour voir où se trouverait effectivement cet argent. La justice essaye de gagner du temps pour arriver à la prescription, Maître Motu. Et vous, vous êtes un notaire, normalement. Vous devez préserver les droits des gens, pas les détourner. Voilà, je crois que... Maître Motu, vous voulez peut-être répondre brièvement ? Non, écoutez, je crois que... Il faut être réaliste, je n'ai pas le premier centime sur ces montants. Voilà. Alors, vous nous dites où ils sont partis, puisqu'ils ont transité par vos comptes. Et je peux vous confirmer qu'ils n'ont pas transité par des comptes de l'État. Alors, on le saura peut-être, M. Ferrailler, à un autre moment. Vous aurez l'occasion de venir encore vous exprimer avec Marc Roger, Maître Fauconnet. Maître Fauconnet, vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? Non, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Moi, j'ai étudié ces conventions. Pour moi, elles ne posaient pas l'ombre d'un doute. Elles étaient très, très explicites, ce qui m'a été reconfirmé encore une fois par l'avocat de M. Ferrailler. Maintenant, effectivement, comme dit Maître Motu, je ne sais pas ce que la justice décidera. D'accord. Vous avez l'air fatigué. Oui, ce sont des journées très, très difficiles. Oui, vous avez l'air ému, en tout cas. Marc Auger, alors pour vous, le Servette, c'est trois prochains jours ? Mais bien sûr, dans les prochains jours. Donc, attendez, à partir du moment où il y a des actes donc, qui sont authentifiés et certifiés, donc, bon, mais attendez, pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute, mais je le répète, effectivement, il y a des sommes qui font tourner la tête aux gens. Je vous donne là aussi un document, vous le voyez. On l'analysera pour demain également. Vous faites une copie parce que c'est l'original. Ici, la juge d'instruction m'avait déclaré en audience qu'elle avait des documents bancaires provenant de mes systèmes pour 24 milliards de dollars. On va pas trop. La nouvelle aujourd'hui, c'est le Servette. On va laisser suivre le cours des choses en espérant que le Servette, quand même, pour nos téléspectateurs, et surtout pour nos supporters, bien soit sauvé ce soir. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Puis Maître Fauconnet, s'il vous plaît, reposez-vous. Sans problème. Tout le monde. Merci. Très bonne soirée. Merci à toute l'équipe pour ce flash spécial en direct sur les Monts Bleus. Très bonne nuit. À demain. Merci.